Eh oui, bienvenue une nouvelle fois. Oui, rien qu'au démarrage, ce stream est déjà un gros bordel. Je dois vous avouer que le fail, vous ne l'avez pas vu puisqu'il a bien duré 6 minutes. Et que c'était le fail complet du stream précédent puisque tout s'est bien déroulé à part le sempiternel crash de MAME quand je le lance. Et que je me suis retrouvé comme un couillon à faire la démo du jeu pendant 6 minutes alors qu'il n'y avait absolument aucune image à l'écran. Yippee-ki-yay. Mais là, ça devrait être corrigé. Et vous entendez déjà le bruit au loin. Et vous reconnaissez ce bruit. Il ne vous est pas étranger. Il ne vous est pas inconnu. Car effectivement, vous l'avez déjà supporté. Et vous l'avez supporté dans rien d'autre que les streams précédents qui ont concerné les Space Invaders. Alors, on s'est tartiné le tout premier de 1978. On s'est tartiné sa ressucée de 1979. Qui en fait n'était autre qu'une grosse supercherie commerciale, puisque de différent avec le jeu d'origine, il n'y avait que quelques autocollants translucides positionnés avec amour sur l'écran noir et blanc et donnaient l'impression qu'il y avait la couleur. Mais niveau programmation, c'était exactement le même jeu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Space Invaders remixé à fond les biellettes avec Space Invaders DX, car DX is for Deluxe Baby! Et effectivement, on peut dire qu'en 1992, c'est ça l'année, donc 94 même, je crois. Ah ouais, c'était vraiment le luxe là. Regardez-moi cet effet de transparence de haute volée. Alors très personnellement, je vous avouerai directement que je ne porte pas ce jeu dans mon cœur, puisque déjà le gameplay, bah, en plus de 15 ans, il a déjà pris une bonne claque dans la figure. Et puis il se trouve que ces remixes sont purement commerciaux et n'ont aucun intérêt, si ce n'est une petite option pour la version arcade. On va regarder tout de suite ensemble. Des sous. Je suis en train de vérifier si j'ai pas fait la connerie de garder mon micro fermé sur ce stream. Parce qu'un coup on n'a pas l'image et ça serait marrant, un coup on n'a pas le son. Il y aurait un certain équilibre. Alors pour revenir au jeu, bah, en fait le cabinet, comme on dit, et oui c'est le nom anglais, le cabinet, dans lequel on évite de faire n'importe quoi, vous propose l'émulation de la borne d'arcade originale aussi magnifique. Vous propose un mode parodie que nous allons regarder et nous propose un mode 1 contre 1 que j'aurais pu expérimenter si mon stagiaire avait été présent, mais vu que je n'ai jamais eu de stagiaire, ce serait difficile. Donc, on va se contenter du mode parodie qui a l'air trop bien si on regarde la vignette. C'est parti. Oh extase, oh joie intense, oh bonheur non dissimulé. Regardez-moi ça, le Space Invaders, ce qu'ils en ont fait. Il est devenu tout kawaii. Alors, le truc quand même discutable, c'est que tous les persos qu'on voit sur l'écran sont issus de licences existantes. Ça veut dire qu'il y a un travail graphique quasi inexistant. À ce niveau-là, on peut se poser la question en se disant Taito, c'est comme ça que tu célèbres une des licences qui t'a permis de te faire des fouilles en or? Très honnêtement, et c'est comme ça que tu respectes l'amour des joueurs et surtout leur porte-monnaie? Moi, je garde le point d'interrogation final et quelques points de suspension parce que j'ai des doutes. Alors, sur le gameplay, bah, c'est kiff-kiff. On a quoi? On a des sprites en couleur. Et donc c'est Deluxe. Donc c'est pas très dur de faire du Deluxe, hein. On comprend mieux maintenant pourquoi un simple hamburger peut être Deluxe aussi, parce que c'est... Jean-Pierre Coff, viens nous dire. C'est de la merde! Exactement, c'est de la merde. Le jeu n'est pas merdique, puisque remis dans le contexte des années 80, c'était quand même quelque chose d'assez génial, qui a fait beaucoup de bruit. Maintenant, venir célébrer... un pseudo-événement avec ce genre de produit, je ne suis pas certain que les gens ne soient pas dupes. Je ne vous stream même pas plus loin pour la simple et bonne raison que, tableau suivant, nous garderons le même principe, nous changerons les sprites et nous continuerons allègrement de vous foutre
enfin de nous foutre de votre gueule, quoi. C'est ce qu'on peut résumer de cette version DX tout à fait dispensable. Je vous recommanderais en fait de mettre dans votre collection la ROM d'origine du Space Invaders et de vite oublier tous les autres. Sauf, et là je dis bien sauf un, et là je vais faire appel à votre savoir ou votre mémoire, sauf un dont je me rappelle qui avait été édité sur Amiga entre 1988 et 1993, il me semble, j'ai pas la date exacte, où on a eu un Super Space Invader, je ne sais plus le nom, donc si vous pouvez me communiquer ce nom, ça serait génial, parce que j'ai les émus Amiga, mais j'ai sûrement pas cette ROM. Et il faut absolument que celui-là, je vous le stream, parce que c'est un des meilleurs remixes du thème purement basique Space Invaders qui existait, avec, je me rappelle, des vaches dans le pré en bas. Et ça, ça parlera aux gens qui l'ont essayé, vous vous retrouverez tout de suite le nom, moi je suis désolé, j'arrive pas. Avec des vaches dans le pré qui venaient se faire kidnapper en temps réel par les soucoupes. Et les graphismes étaient trop magnifiques, la maniabilité était au rendez-vous, ce shoot était génial. Et il a existé sur Amiga, probablement sur ST donc. Il n'a jamais existé en borne, et j'aimerais beaucoup, beaucoup vous le partager. Donc si vous retrouvez le nom de ce truc, le Ten Space Invaders, et le coup des vaches qui se font kidnapper par les soucoupes qui viennent en Razmoth, si vous me trouvez ce nom, je vous remercie, mais des millions de fois. On va pas s'éterniser davantage sur les Space Invaders, on va retrouver des streams un petit peu plus rigolos avec des nouveaux jeux récents, et toujours, je continue d'archiver mes shmups au fil des streams, donc on en était vers la lettre FG, donc on reprendra à partir de la lettre G, parce qu'après je vais vraiment partir en sucette, il y a vraiment énormément de jeux, il y en a plus de 1400, je vous rappelle, de shmup. Et puis ce sera très très bien, un petit pouce pour signaler que vous avez apprécié la vidéo, pas forcément son contenu, parce que c'était pas un contenu de qualité, ce Space Invaders DX. Un abonnement, ça vous coûte rien si ça vous plaît, puis j'évite de flooder, donc ça va. Faites connaître la chaîne, il n'y a aucun souci. Ça streamera jusqu'à la mort, je pense, 1400 ROM de shmup. Je suis pas certain d'arriver à tout vous poster ça en 2018. Je vous fais des gros bisous, à très très bientôt. Ciao, 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 ciao.